Les plats à base d'oignons se font de plus en plus rares dans les maisons et gargotes. Une situation due à la hausse vertigineuse du prix de l'oignon. Quand le produit passe par plusieurs personnes pour atterrir chez le commerçant, c'est normal que cela soit cher. Moi, j'achète le sac d'oignons à 18 000 francs CFA et je revends le kilogramme à 900 francs CFA à contre-cœur, car je sais que c'est trop cher. J'ai fait 5 ans dans le marché, mais je n'ai jamais vu cette hausse. Nous vivons mal cette situation, mais on rend grâce à Dieu. Il faut juste que l'État fasse des descentes sur les marchés pour veiller au contrôle des prix. Ce n'est pas normal de bloquer l'oignon et ensuite le vendre cher. Il faut vraiment parler aux commerçants. Pour cet économiste, cet état de fait est dû au manque de connaissances par les commerçants de la libéralisation du marché. Il y a ce qu'on appelle les déséquilibres qui naissent dans le marché et qui sont le fait de certains spéculateurs. Certaines personnes n'hésitent pas à parfois bloquer la circulation des productions à l'intérieur du Sénégal pour pouvoir créer des pénuries dans certaines zones et augmenter ainsi les prix. Il faut contrôler le commerce. Avant, l'esprit d'ailleurs, en 1994, on l'appelait le contrôle économique. Après, on a dit maintenant direction du commerce intérieur. Donc, vous voyez, on peut même en changeant le terme, comme si on dit « il n'y a plus de contrôle ». On fait passer un message aux commerçants en disant « il n'y a plus de contrôle ». Il invite les autorités étatiques à fixer certaines mesures pour réguler le secteur du commerce. Il faut accroître les moyens aussi pour que ces serviteurs de l'État puissent tous les jours faire le contrôle qu'il faut. Parce que, en fait, au fond, certains commerçants ne connaissent que le contrôle. Rappelons qu'à Touba, une ville située à 194 km à l'est de la capitale sénégalaise, le prix du kilogramme de l'oignon était passé du simple à un peu plus du double, passant de 800 francs CFA le kilo à 2000 francs CFA. Une situation qui a fait sortir la direction du commerce intérieur qui a fait descendre ses services de contrôle sur le terrain pour rétablir les choses à la normale.